Jérusalem est une ville unique pour des cultures multiples. La cité millénaire émerge au milieu de collines calcaires à 800 mètres d'altitude. En 3000 ans d'existence, Jérusalem s'est constitué un riche passé historique contenu dans la vieille ville derrière ses murailles. Sur un seul kilomètre carré, la surface de la vieille ville, l'histoire a laissé d'innombrables vestiges remarquablement préservés. Ici, on parcourt le temps en se promenant dans les rues. Bien antérieure à la période romaine, les traces de l'histoire remontent à l'époque du premier rempart de la ville, au 8e siècle avant Jésus-Christ. Le passé fait l'objet de soins attentifs. Une façade peut être conservée en attendant que l'arrière du décor soit reconstruit. Lorsqu'il a une portée symbolique, le passé est plus encore protégé. Ainsi, un établissement de style colonial entretient le souvenir de la rencontre entre Yitzhak Rabin et Yasser Arafat en 1993. L'événement se déroula dans la chambre 14. Il précédait la signature officielle des accords d'Oslo en septembre de la même année. La ville millénaire possède également un visage contemporain. Les nouveaux quartiers se développent en épousant les reliefs. Ils encadrent les bâtiments administratifs installés à distance de la vieille ville. À Jérusalem sont établis les principaux organes gouvernementaux d'Israël, car les Israéliens considèrent la ville comme leur capitale, Tel Aviv étant la capitale pour la communauté internationale. Que de chemin parcouru entre la cité conquise par Alexandre le Grand au 4e siècle avant Jésus-Christ et la ville prise par les Anglais en 1917. Certaines boîtes aux lettres rappellent le passé. Elle fonctionne encore, une boîte aux lettres de l'époque du mandat britannique avec la couronne du roi George. Et d'ailleurs, c'est l'endroit où le général Allenby a reçu les clés de la ville le 9 décembre 1917. Sur la porte de Sion, des impacts de balles rappellent la guerre des Six Jours et la conquête de la partie est de la ville en 1967. Tout au long de l'histoire, les combats ont fait de nombreuses victimes qui ont trouvé leur dernière demeure dans une terre âprement disputée depuis des siècles. Dans une ville qu'ils occupent, les Israéliens imposent leurs règles de sécurité. Les policiers et les hommes en armes en sont la partie visible. Le mur de séparation dressé par les Israéliens isole Jérusalem des autres territoires occupés, bien au-delà des remparts élevés par les Ottomans autour de la vieille ville. Au-delà des passions, l'espoir de paix anime une population multipliée par 70 en un siècle et demi. Le Grand Jérusalem compte plus de 700 000 habitants. La population se répartit en deux composantes principales. Si l'on inclut les colonies, la majorité des habitants sont juifs, les autres sont palestiniens, la plupart étant musulmans, d'autres chrétiens, sans compter la petite communauté chrétienne des Arméniens. Les modes de vie à Jérusalem sont très contrastés. Les identités culturelles amènent les uns et les autres à montrer leurs différences. Elles reflètent le rayonnement international de la ville. Mais au carrefour des cultures, le contraste est parfois surprenant. Jérusalem est une ville sainte pour les trois grandes religions monothéistes. Les musulmans appellent la ville Al-Quds, la Sainte. La ville de Jérusalem occupe une position centrale dans la religion juive. Chaque juif, à travers le monde, se doit de la soutenir et de la protéger. Dans la religion chrétienne, la cité joue un rôle fondamental pour le nombre de ses lieux saints. La ville est le site principal des événements qui ont marqué la fin de la vie du Christ. Les chrétiens y trouvent l'inspiration de leur foi. Les lieux saints attirent les pèlerins des trois grandes religions. Leur nombre varie beaucoup selon le calendrier et l'importance des fêtes religieuses. Ils pratiquent leurs rites et affichent leurs différentes appartenances. Quelle que soit leur religion, les origines des pèlerins sont étonnamment variées. I'm from Ivory Coast. Argentina. République démocratique du Congo. Indonesia. Jordan.
Le pèlerin est le plus souvent aussi touriste. Et une véritable industrie touristique alimente l'économie de la ville. Certains regrettent pourtant de voir le sacré réduit à un produit de consommation. Dans ses nombreuses variantes, la croix du Christ révèle toutes les composantes de la foi chrétienne. De la même façon, Jérusalem a de nombreux visages et au moins autant de passions. Les influences multiples dégagent parfois l'impression d'une grande harmonie. À une cinquantaine de kilomètres de Tel Aviv, Jérusalem occupe une position particulière entre Israël et les territoires palestiniens. Dès la création d'Israël en 1948, la ville fut divisée, comme la Palestine. La vieille ville et la partie est furent intégrées à la Jordanie et la partie ouest fut attribuée aux Juifs. Dans la vieille ville, le dôme du rocher éclaire le quartier musulman de son revêtement doré. Le site est bordé par les murailles élevées au XVIe siècle à l'initiative du sultan ottoman Soliman le Magnifique. Sur le mont du Temple, le dôme du rocher domine l'esplanade des mosquées. L'endroit est crucial, tant pour les juifs que pour les musulmans. Jérusalem est la troisième ville sainte de l'islam, car c'est ici que le prophète Mahomet a quitté la terre pour rejoindre Allah. Le dôme abrite le rocher d'où il s'est élancé vers le ciel. Le temple se trouvait à l'emplacement des mosquées avant sa destruction. C'est pourquoi les Juifs vénèrent aussi l'endroit, un lieu très symbolique pour les fidèles des deux religions. Pour compléter leur présence sur les lieux, les musulmans ont ajouté un édifice à proximité du dôme du rocher. La mosquée Al-Aqsa est une des plus prestigieuses du monde. Al-Aqsa signifie « la lointaine ». Le nom rappelle le long voyage nocturne accompli par Mahomet pour se rendre de la Mecque à Jérusalem. Les archéologues pensent que la mosquée a été construite sur les vestiges d'une église byzantine, mais les musulmans le contestent. Des divergences portent aussi sur l'ancienneté de l'édifice. Dans le quartier musulman, un souk étend son réseau de ruelles dans la grande tradition proche orientale. Si l'accès aux lieux saints de l'islam est strictement contrôlé, les échoppes sont, elles, ouvertes sans restriction. Personne ne trouve à redire au foisonnement des couleurs et des senteurs. Dans le souk règne une animation permanente. Chacun respecte l'espace de l'autre, y compris dans la petite mosquée. Une atmosphère plutôt décontractée, où les conflits ne semblent pas d'actualité. Les parfums d'épices accompagnent les visiteurs à travers le souk. Parmi les produits de référence, l'encens est présent dans les rituels de nombreuses religions. Aussi répandu, la grenade est connue dans le bassin méditerranéen depuis l'Antiquité. Chez le boulanger arabe, les gestes se sont adaptés à la production à la chaîne. L'artisan a cédé la place à la machine qui fabrique les petits pains. Mais dans certains cas, la main de l'homme est irremplaçable pour donner une forme aux couronnes de pain couvertes de grains de sésame.
À peine sorti du four, le pain rejoint l'étalage. Dans le souk, chacun s'active, dans une insouciance apparente. Mais toujours, les militaires veillent. Le souk est un monde d'échanges. Échanges de gestes, échanges de marchandises, échanges de regards. Les gens s'expriment avec peu de mots et les attitudes suffisent pour se comprendre. Les jours de Ramadan, juste après le coucher du soleil, le jeûne est interrompu. Dans une arrière-boutique, les employés prennent leur repas ensemble. Les rites se pratiquent aussi sur les lieux du travail. La vie s'arrête pour suivre les traditions. Le Ramadan se termine par la fête de l'Aïd. Elle se prolonge, loin dans la nuit, le long des guirlandes électriques. Dans le quartier musulman, on suit le tracé de la Via Dolorosa, la voie douloureuse en latin. La passion du Christ s'est en partie déroulée sur un parcours en plusieurs phases. Les pèlerins parcourent le chemin de croix en s'arrêtant à chacune des 14 étapes, les stations. Le cortège revit les derniers moments du Christ. Nous suivons les pas du Christ le jour où il a été condamné. Le même jour où, chargé de sa croix, il a monté le chemin du Golgotha pour y être crucifié. À chaque station, les pèlerins se recueillent. Afin de soulager la souffrance du Christ, les soldats romains qui l'escortaient réquisitionnèrent un homme de passage. Pour avoir aidé le Christ à porter la croix, on rend hommage à Simon de Cyrène. D'après la légende, le Christ aurait laissé l'empreinte de sa main sur un mur. Les origines du chemin de croix remontent au XIVe siècle. La plupart des épisodes sont décrits par la Bible dans les évangiles. Au Moyen Âge, les nombreux pèlerins étaient logés dans des hospices. Mais qu'est-ce qu'un hospice ? Le mot hospice, c'est l'ancêtre du mot hôtel, puisqu'au Moyen Âge, ça recoupait les expressions modernes d'hôtel, hostellerie, hôtellerie, hôpital. C'était une seule et même chose. C'est un hôtel modeste pour différentes nations qui viennent à Jérusalem. Les chrétiens viennent à Jérusalem en pèlerinage depuis très longtemps. C'est la mère de l'empereur romain Constantin qui lança le mouvement au IVe siècle. L'empereur se convertit au christianisme et décida la liberté de culte. L'empereur et sa mère sont des saints pour les orthodoxes. L'église copte orthodoxe, basée à Alexandrie en Égypte, et l'église orthodoxe unifiée d'Éthiopie figurent parmi la vingtaine d'obédiences représentées dans le quartier chrétien de Jérusalem. Le Golgotha est le lieu où le Christ fut mis en croix. À cet endroit s'élève l'édifice chrétien le plus sacré, la basilique du Saint-Sépulcre. La mère de l'empereur Constantin identifia l'emplacement, qui suscita très vite une ferveur incroyable. Les pèlerins se pressent autour de la pierre de l'onction. Le corps du Christ y aurait été déposé avant d'être mis au tombeau. L'affluence est telle qu'il faut organiser les visites pour éviter que les pèlerins ne s'attardent. On s'empresse de toucher les lieux sacrés et d'immortaliser son passage. Le phénomène n'est pas nouveau. Arrivés à Jérusalem au XIe siècle, les croisés laissèrent des traces de leur intervention. Ils récupéraient ainsi le lieu que les Ottomans occupaient depuis 400 ans. La basilique du Saint-Sépulcre attise les rivalités entre les différentes églises chrétiennes qui s'en partagent la propriété. Pour limiter les conflits, les clés de l'édifice sont, depuis 7 siècles,
confiée à deux familles musulmanes. Dans un souci d'apaisement, ce sont les Ottomans qui établirent les règles de la cohabitation entre les chrétiens. Beaucoup regrettent ces rivalités, comme la location des croix destinée à revivre la passion sur la Via Dolorosa. À Jérusalem, on n'est pas à un paradoxe près. Un souk est également ouvert au milieu du quartier chrétien. Dans tous les souks, l'approvisionnement des boutiques est compliqué par les allées étroites. Lorsqu'en plus les ruelles sont en pente, les livreurs s'équipent de moyens de freinage adaptés. Au Proche-Orient, le narguilé est très répandu. Avant d'arriver à la bouche, la fumée traverse un récipient d'eau parfumée. Le tabac est brûlé dans un foyer chauffé au charbon de bois. Autre coutume, le tric-trac. Le bruit que font les dés en tombant est à l'origine du nom. C'est une tradition indissociable du thé à la menthe. Les moucharabiés permettaient de voir sans être vus, une caractéristique de l'architecture musulmane. L'architecture de la citadelle s'inspire de celle des croisés. L'édifice repris aux musulmans a subi de nombreux aménagements à différentes périodes de l'histoire. Le site a été choisi pour sa position dominante à l'ouest de Jérusalem. La puissante forteresse contrôle l'accès à l'une des 8 portes découpées dans l'enceinte de la ville, la porte de Jaffa. Elle ouvre un passage en chicane destiné à ralentir l'éventuelle incursion d'ennemis. Mais la configuration de la porte est plutôt surprenante. Personne ne se pose la question pourquoi on a une porte alors qu'on pourrait passer par cette ouverture gigantesque ici. Et la raison, c'est qu'en 1897 est passé ici le carrosse de Guillaume II. Le carrosse de l'empereur d'Allemagne était trop large pour passer par la porte. Alors qu'on fait les Turcs, ils ont cassé un morceau de la muraille pour faire passer le carrosse de Guillaume II. Sur les murs, la mention des noms de rue ne doit rien au hasard. La disposition change en fonction des époques. Les Britanniques, évidemment, ont mis l'hébreu en bas, puisque les Juifs étaient minoritaires, l'arabe au milieu et l'anglais, langue de la puissance de l'époque, en haut. Après 1948, les Jordaniens ont pris contrôle de la vieille ville de Jérusalem. Ils ont évidemment mis le nom de la place qui est ici à l'intérieur de la ville avec un thème musulman. Et vous voyez ici, le texte a été mis en arabe en premier et il est encadré en jaune et en anglais en dessous. Après la guerre des six jours et la conquête de la vieille ville par Israël, on a rajouté l'hébreu évidemment en haut, dans le même style, et vous voyez que c'est un nouvel encadrement. Donc vous avez ici la chronologie de la suprématie ici à Jérusalem exprimée dans les langues et dans les textes. Au sud-ouest de la vieille ville, s'étend le quartier d'un peuple qui fut le premier à adopter le christianisme comme religion officielle. Les Arméniens se convertirent au tout début du IVe siècle. Leur céramique aussi fait preuve d'originalité. La céramique arménienne, c'est un art des Arméniens de Jérusalem seuls. Dans tout le monde, il n'y a pas de céramique arménienne, seulement en Jérusalem. Après la perte de leur royaume au Ve siècle, les Arméniens se sont établis à Jérusalem. Depuis cette époque, ils vivent dans un quartier qui est devenu un centre intellectuel, un foyer artistique et surtout leur capitale spirituelle. Les séminaristes se rendent à l'office dans la cathédrale arménienne Saint-Jacques. Parce que les Ottomans avaient interdit aux Arméniens l'usage des cloches pour appeler les fidèles, on frappe sur une planche de bois, le cimandre. «
Le quartier arménien est voisin du quartier juif au sud de la vieille ville. En grande partie détruit lors des combats de 1948, le quartier juif a été reconstruit, ce qui explique ses allures plus modernes. Le quartier a également été réaménagé après la guerre des Six Jours en 1967, lorsque la ville entière est passée sous contrôle israélien. Les parties les plus anciennes ont été soigneusement préservées. Beaucoup de monuments historiques ont souffert des conflits, mais les habitants tiennent à entretenir le souvenir d'un passé parfois mythique. Livraison d'une statue du roi David dans son emballage d'origine. Le va-et-vient est quasi permanent sur une vaste esplanade au sud-est de la vieille ville. Elle s'étend à l'emplacement d'un quartier palestinien qui fut rasé après la guerre des Six Jours. L'espace donne accès au lieu le plus sacré du judaïsme, le mur des Lamentations. On reconnaît les juifs hassidim, ultra-orthodoxes, à leurs vêtements noirs. Comme tous les juifs, ils se recueillent en associant les lectures pieuses, les baisers sur les pierres ancestrales et les balancements du corps. Le mur est le seul vestige de l'enceinte du temple d'Hérode, détruit par les Romains. Les Juifs y viennent pleurer la perte de leur temple, d'où l'appellation « mur des lamentations ». Dans les fissures, on glisse des vœux pour qu'ils soient exaucés. Les Juifs prient en se balançant. C'est une coutume qui remonte au Moyen Âge. Le mouvement est destiné à éloigner des croyants les préoccupations terrestres. Une partie est réservée aux femmes tenues de se couvrir et de porter des vêtements sobres. On ne s'éloigne jamais du mur en lui tournant le dos. La sécurité est renforcée devant le mur des Lamentations. Dans cette partie de Jérusalem, depuis 1967, les forces armées israéliennes font partie du paysage. Une partie du mur des Lamentations jouxte une voûte immense. L'endroit, meublé comme une synagogue, est réservé aux hommes. L'évocation des Lamentations du peuple juif est péjorative pour beaucoup. C'est pourquoi l'appellation « mur occidental », c'est-à-dire à l'ouest du temple, est aujourd'hui préférée. Un passage souterrain dégagé par les archéologues permet de traverser les fondations de l'ancien édifice. On se faufile entre les pierres gigantesques. En progressant de la sorte, les Juifs cherchent à se rapprocher de la zone centrale du temple, là où se trouvait le Saint des Saints. Seul le grand prêtre avait la permission d'entrer dans cette partie du sanctuaire, éminemment symbolique. Le judaïsme considère que la présence divine sur terre se concentre à cet endroit-là, à l'emplacement du Saint des Saints, et c'est aussi considéré comme le centre du monde. Donc ça a une valeur de pouvoir se rapprocher de cet endroit sans monter sur l'esplanade, qui est une chose interdite dans l'orthodoxie juive. Quand on est sous terre, on ne s'en rend pas compte, mais la grande proximité des lieux saints juifs et musulmans crée évidemment une concurrence visuelle et sonore. Pour la fête de Rosh Hashanah, le nouvel an juif, les pratiquants se regroupent devant le mur des Lamentations à la fin de la journée. Les chants des Juifs couvrent les invitations à la prière des mosquées voisines dans une étonnante cacophonie.
Le Nouvel An juif se déroule sur 2 jours complètement chômés. La ville semble figée, les magasins sont fermés, le temps s'arrête pour les Juifs. Pas un chat dans les rues, ou presque. Le Nouvel An ne tombe pas tous les ans à la même date, car le calendrier juif est lunaire. C'est l'occasion d'un repas festif qui respecte les prescriptions de la loi. La nourriture est kasher, c'est-à-dire conforme à la loi juive. Cela signifie qu'on ne doit pas mélanger les nourritures à base de viande et de lait. Concernant la nourriture à base de viande, seuls les animaux ruminants à sabots fendus sont autorisés à la consommation. Concernant les poissons, ils doivent avoir des écailles et des nageoires. Il ne faut pas mélanger les nourritures à base de viande et de lait, ni au niveau de la consommation, ni au niveau de la préparation. Le label kasher est une garantie de conformité à la loi juive. Mais à Jérusalem, les choses ne sont jamais aussi tranchées. On en prend conscience dans une boulangerie apparemment banale, mais qui résume à elle seule toute la complexité de la ville. C'est une boulangerie arabe, kasher, dans le quartier juif. Un bon signe, car le pain est un symbole de vie dans de nombreuses cultures. Jérusalem a été bâtie sur des collines. L'une d'elles s'appelle le Mont Sion. L'église de la Dormition est vénérée par les chrétiens. L'édifice est élevé à l'endroit où la Vierge serait morte, ou plutôt tombée dans un profond sommeil avant de monter au ciel. L'endroit revêt aussi une grande importance pour les Juifs. On y représente les tables de la loi que Dieu donna à Moïse. Parce que le tombeau du roi David a été installé 2000 ans après sa mort, beaucoup doutent qu'il soit authentique. Pourtant, c'est l'un des lieux les plus sacrés du judaïsme. Quand le mur des Lamentations devint inaccessible, le tombeau se transforma en un lieu de pèlerinage très fréquenté. Le statut de Jérusalem-Est est un point très sensible dans le contentieux entre Israéliens et Palestiniens. En effet, pour les Israéliens, il n'est pas question que Jérusalem soit à nouveau partagée en deux. Quant aux Palestiniens, ils réclament leur souveraineté sur Jérusalem-Est, dont ils souhaitent qu'elle devienne la capitale de l'État palestinien. Pour les protestants, le jardin de la tombe abriterait le tombeau authentique du Christ. Une hypothèse rejetée par la plupart des autres chrétiens qui ne reconnaissent en effet que le Saint-Sépulcre. Le Christ fut crucifié sur une colline appelée le lieu du crâne, en hébreu Golgotha. La tombe du Christ fut offerte par un prêtre du temple, Joseph d'Arimathie, et fut fermée par une pierre circulaire, un dispositif qui correspond à la tombe du jardin. Si cette tombe est bien celle de Joseph d'Arimathie, le corps du Christ, descendu de la croix du Golgotha que l'on vient de voir, a été déposé ici, dans ce jardin. Toujours à l'est, le Mont des Oliviers est également un haut lieu de l'histoire biblique. Plusieurs événements majeurs s'y sont déroulés, et notamment l'ascension du Christ. La mosquée de l'Ascension abrite un site chrétien de la première importance. Sur le sol de pierre poli par les nombreux visiteurs, apparaît l'empreinte d'un pied du Christ. Il l'aurait laissé au moment de quitter la terre. L'endroit appartient aux musulmans qui reconnaissent le Christ en tant que prophète. Jésus est d'ailleurs monté au ciel, comme le prophète Mahomet.
Le Carmel du Pater fut donné à la France par la princesse de la Tour d'Auvergne. Au XIXe siècle, la dame fut émue par la dégradation des lieux saints. Elle décida la construction d'un couvent de carmélites en l'honneur du Paternoster. Chez les chrétiens, le Notre Père est la prière la plus connue. Il est récité par les catholiques et les orthodoxes à la messe, mais les protestants l'utilisent aussi dans leur culte. La célèbre prière est écrite en différentes langues sur des carreaux de céramique à même les murs du cloître. Le texte aurait été composé par le Christ lui-même en réponse à ses apôtres qui lui demandaient comment prier. Le Notre Père aurait été enseigné non loin d'ici par le Christ à ses disciples. L'église de Marie-Madeleine appartient au rite orthodoxe russe. Elle côtoie l'église de toutes les nations. Le fronton est orné d'une mosaïque réaliste qui montre le Christ portant les souffrances du monde. L'église domine le jardin de Gethsémani, appelé aussi Jardin des Oliviers, où Jésus fut arrêté. Certains oliviers seraient contemporains de l'époque du Christ. Les Juifs souhaitent être inhumés sur le mont des Oliviers, car selon le prophète Zacharie, le Messie passera par ici le jour du jugement dernier. Ceux qui sont enterrés ici seront les premiers à ressusciter. Au cimetière musulman, les tombes ont le même dépouillement. Le corps du défunt est déposé dans la terre, sans cercueil, la tête tournée vers la Mecque. Sur le mont des Oliviers, l'église de l'Assomption s'enfonce dans le sol vers une crypte très profonde. Marie, la mère du Christ, est décédée au milieu du 1er siècle. Elle aurait été déposée par les disciples de son fils dans un caveau où elle ne resta que 3 jours avant de quitter la terre. Le tombeau appartient à l'église grecque orthodoxe, mais les Arméniens, les Syriens et les Coptes se partagent l'autel. Le culte de la Vierge, qui remonte en cet endroit au 5e siècle, est toujours aussi vivant. Des tombes monumentales ont été installées dans la vallée du Cédron, au pied du mont des Oliviers. Selon certaines traditions, les tombeaux sont attribués à différentes personnalités comme Absalom, le fils indigne du roi David. Il est plus vraisemblable que les tombes appartenaient à des notables plusieurs siècles avant Jésus-Christ. La vallée du Cédron sépare Jérusalem-Est de la vieille ville. Jérusalem s'est développée rapidement vers l'ouest. La partie occidentale est une ville moderne, dans laquelle les références au passé ne sont pas absentes. L'architecte espagnol Santiago Calatrava a dessiné un pont dont les lignes s'inspirent de la harpe dont jouait le roi David, selon la Bible. Un moulin à vent domine le quartier de Yemin Moshe, l'un des premiers quartiers juifs construits hors des murs. Avec son toit en forme de couvercle de jarre, le sanctuaire du Livre fait partie d'un ensemble composé de musées et de bâtiments officiels. Le passé de Jérusalem est également évoqué à travers l'impressionnante maquette de la ville à l'époque du Second Temple. La maquette est au 1/50e et elle utilise des matériaux dont on considère Jérusalem a été construite à l'époque, à savoir le calcaire de Jérusalem, la céramique pour les tuiles et le temple en marbre. Le temple est reproduit dans l'état précis où il était juste avant sa destruction par les troupes romaines. Les bâtiments de Yad Vashem perpétuent la mémoire des victimes de la Shoah.
Yad Vashem est un campus de 45 hectares dédié à la mémoire de l'Holocauste, à l'éducation, à la documentation et à la recherche. Nous avons ici plusieurs musées, des sites commémoratifs, des centres de recherche pour nous permettre d'atteindre notre but, avoir un mémorial approprié en l'honneur des victimes de l'Holocauste et bien sûr pour raconter aussi l'histoire des survivants. À l'ensemble des documents historiques s'ajoute une symbolique très forte. Le fait qu'il soit situé à Jérusalem accentue, il me semble, l'impact de l'ensemble. Le fait d'être situé sur cette montagne, le mont du souvenir, est bien sûr un symbole. Nous avons beaucoup de choses à l'intérieur. Nous avons des espaces aménagés avec des jeux d'ombre et de lumière qui se mélangent à la vie et bien sûr à nos souvenirs. Tout cela a une signification très profonde. Les témoignages des familles et des amis des victimes sont conservés dans la salle des noms. 3 millions de noms ont déjà été recensés sur les 6 millions de Juifs exterminés pendant la Deuxième Guerre. En 1946, une organisation armée clandestine sioniste, l'Irgun, commit un attentat contre le quartier général de l'armée britannique à l'hôtel King David, une institution à Jérusalem. L'explosion, qui fit de nombreuses victimes, détruisit tout un pan de l'établissement et contribua au départ des Anglais, ce qui enclencha le processus de création d'Israël. De nombreuses personnalités ont fréquenté l'hôtel King David. Les signatures des hôtes prestigieux balisent les couloirs de la maison. À l'hôtel, on célèbre une bar mitzvah. La cérémonie marque l'accès d'un garçon de 13 ans à la maturité religieuse chez les Juifs. Le garçon remercie les invités présents avant que la fête commence. L'architecte de l'Empire State Building à New York a aussi réalisé le siège de la YMCA à Jérusalem. L'association des jeunes gens chrétiens a été fondée à Londres pour atteindre l'équilibre entre le corps, l'esprit et l'âme. Au milieu d'influences multiples, Jérusalem recherche son équilibre. L'influence occidentale est évidente dans le plan d'aménagement de Jérusalem-Ouest. De très nombreux architectes locaux sont formés en Europe et aux États-Unis. Lorsque les professionnels exposent leur vision du futur, les grandes villes américaines sont souvent prises en exemple. Mais les bâtiments anciens doivent être respectés. Il n'est pas rare qu'un édifice soit démonté pour être reconstitué ailleurs. Il s'agit alors de bien numéroter les pierres. Les habitants de Jérusalem s'installent de plus en plus à la périphérie de la ville, un phénomène bien connu dans la plupart des grandes cités. Les autorités cherchent à enrayer le mouvement en dynamisant et en modernisant l'activité économique. En effet, Jérusalem subit la concurrence de Tel Aviv,
qui fournit beaucoup plus d'emplois et permet un mode de vie plus décontracté. Certains secteurs exigent une main-d'œuvre hautement qualifiée. Dans le monde, la moitié des pierres précieuses de qualité provient d'Israël. Les ateliers de taille et de polissage du diamant bénéficient d'une réputation internationale. Le travail de présentation de la pierre se fait en fonction du prix qu'elle pourra rapporter. En fonction du prix estimé et de sa pureté, la pierre sera taillée dans des formes différentes. Et la façon dont la pierre est taillée est importante pour déterminer son prix. En la taillant, on réduit la pierre de 40%. Donc si sa valeur initiale est de 5 carats, une fois le travail effectué, elle sera ramenée à 4 carats. Les technologies utilisées sont considérées comme les plus avancées du monde. Le marché Yehuda connaît une effervescence presque ininterrompue. Les étalages sont éclectiques, mais les produits révèlent l'influence des Juifs orientaux. Au milieu des scènes de la vie quotidienne, les références religieuses ne sont jamais éloignées. Des Juifs orthodoxes incitent les passants à remplir un devoir religieux. C'est un rituel que le jeune Juif accomplit pour la première fois lors de la bar mitzvah. Il fait ce qu'on appelle le tefillin, c'est une mitzvot, une bonne action. Dieu nous a commandé de mettre chaque jour le tefillin sur nos bras et sur notre tête. Il le met donc sur le front et il récite le Shemot, le verset qui parle de l'unité de Dieu. Le phylactère, la petite boîte posée sur le front, contient des extraits de la Bible. Sur la rue Ben Yehuda, les artistes amateurs tentent de percer. La musique peut aussi faire passer un message religieux. Là, on est tombé sur un groupe de juifs ultra-orthodoxes qui sont des fidèles de Breslav, des chassidés de Breslav. Et leur approche, c'est le judaïsme dans la joie. Pas uniquement dans l'étude, pas uniquement s'abîmer dans la parole de la Torah et étudier. On peut arriver à une félicité aussi en dansant et en chantant et dans la réjouissance. Le quartier de Mea Shearim donne l'impression qu'on a remonté le temps pour se retrouver dans une ville d'Europe de l'Est à la fin du 19e siècle. Les Juifs ultra-orthodoxes n'ont rien changé à leur habillement. Les hommes portent toujours les mêmes vêtements noirs et les femmes une longue robe enveloppante. Ici, on parle yiddish au quotidien. Le yiddish est la langue principale utilisée au cours du dernier millénaire par les Juifs askénazes originaires d'Europe de l'Est. L'hébreu est en effet réservé aux activités religieuses. Les hommes consacrent une grande partie de leur temps à l'étude des textes sacrés et à la prière. Les études religieuses sont financées en partie par l'État israélien et les communautés orthodoxes de l'étranger. La prière peut adopter différents supports, y compris le CD. Beaucoup d'aspects du monde moderne sont rejetés par les Juifs ultra-orthodoxes. Ils se méfient de la télévision. Le téléphone est permis, mais les journaux sont interdits. La communication des nouvelles se fait donc par voie d'affichage.
Est-ce pour échapper aux tentations de la vie moderne? Les juifs orthodoxes ont souvent l'air pressés. Quand ils s'arrêtent, on peut facilement observer la grande diversité de leurs chapeaux. Un accessoire vestimentaire qui n'est absolument pas décoratif. Les chapeaux que nous portons sont un héritage religieux et traditionnel du mode de vie qui était le nôtre pendant la diaspora, notamment en Pologne. En Israël aujourd'hui, il est toujours possible de reconnaître les origines et les traditions selon le chapeau. Même traditionnel, on ne porte tout de même pas n'importe quel chapeau. Oui, il est trop petit. Le chapeau a une dimension symbolique très précise. Le port du chapeau nous donne une responsabilité morale qui se traduit dans nos gestes. Comme si quelqu'un venu d'en haut nous confiait le chapeau pour nous donner une responsabilité. Jadis, à Jérusalem, on pouvait reconnaître le métier d'une personne au type de chapeau qu'elle portait. Les juifs ultra-orthodoxes portent une trentaine de modèles de chapeaux différents. Comme leur couvre-chef ne les quitte presque jamais, il importe que la fabrication soit irréprochable et que l'entretien en soit aisé. La réputation de certains articles a franchi les frontières. Ce chapeau est le meilleur chapeau de l'entreprise Prester. Il est toujours fabriqué en Hongrie. La qualité de ces chapeaux est constante. Elle ne s'altère pas avec le temps, même au nettoyage. Et quand le noir devient monotone, on passe au rouge. Mais ce n'est pas tout à fait conforme aux prescriptions. La natalité est forte chez les juifs ultra-orthodoxes. D'après les statistiques, les femmes de la communauté ont au moins 7 enfants en moyenne, presque le triple de la moyenne nationale. Un danger, selon les laïcs, qui craignent de voir la religion s'imposer partout. Les laïcs critiquent également la formation religieuse que les hommes suivent jusqu'à l'âge de 40 ans. Pendant ce temps, ils ne reçoivent aucun autre bagage qui leur permettrait de travailler. De plus, ils sont exemptés des obligations militaires. Dans les synagogues, à la fin du mois de décembre, on prie pour la fête de Hanouka. La fête dure 8 jours et dans les rues, on vend des souvganiotes, des beignets fourrés de crème pâtissière, de confiture ou de chocolat. Une coutume que beaucoup d'amateurs ne manqueraient pour rien au monde. Hanouka est la fête des lumières. On allume des bougies sur un chandelier à 9 branches, appelé la Hanoukia. Chaque jour, on allume une bougie supplémentaire. La répétition du geste représente la propagation de la foi juive. Il est interdit de toucher aux bougies allumées et de s'en servir pour un autre usage. Hanouka est une fête chaleureuse qui regroupe les membres de la famille. La tradition familiale est très respectée, mais cela n'empêche pas de chanter dans la rue. Toutes les composantes de Jérusalem se mélangent dans la nuit. Elles ne se confondent pas encore, tant elles sont attachées à leur identité. Mais un jour, il faudra qu'elles se rapprochent pour se fondre au cœur de la ville passion.